En partant d'aussi loin dans les satellites, tu pensais qu'un gars audio pouvait aller gagner Roland-Garros? Non. Je pense, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Moi, la plupart du temps, on voyait quand il y avait des mecs qui étaient bons, hein. Mais même David, hein, Nalbandian, à ce moment-là, on le voyait pas. Hein. Tchela, t'as vu la carrière qu'il fait, Tchela. Puerta, finale à Roland, Cagliari, il fait une très belle carrière. Il a dû être 15e mondial, Cagliari. Agustín Cagliari. Il y avait des gars, Orsanic, il y avait plein de gars comme ça. Moi, je les trouvais pas très talentueux. Et je les trouvais plus travailleurs et tout ça. C'était des chiens, les mecs, mais je les trouvais pas plus. Enfin, je les trouvais moins talentueux que Olivier Mutis ou Nicolas Renavant enfin, tu vois, ou Eric Prodon ou moi-même. Avec je suis prétentieux en disant ça, mais moi j'avais un talent de dingue. Si j'avais travaillé comme Tchela ou comme ces mecs-là dans ma vie, je me serais peut-être cassé les deux genoux avant d'arriver à quelque part, mais j'aurais quand même eu aussi beaucoup plus de chances de faire une plus belle carrière. Mais je pense que c'est vraiment les qualités défauts de l'être humain, hein, qui ont fait que moi je les trouvais pas très talentueux. Je ne les voyais pas forcément réussir. Et quand tu les voyais faire des gammes non-stop sous le cagnard et tout, tu disais pas, putain, les mecs, ils vont me regarder dans le rétro, je devrais faire pareil ou quoi? Non? J'ai fait pareil. Moi, ça m'a donné, ça m'a éduqué. Ok. J'ai fait pareil. Ah ouais, c'est moi, c'est ce que. Tu sais, quand j'étais là-bas, j'étais vraiment tout seul. Il n'y avait pas beaucoup de mecs avec des entraîneurs, mais il y avait quand même quelques gars qui se donnaient des coups de main aussi. Le mec qui joue le double, un peu plus vieux, qui donne le coup de main au copain, qui fait l'autre circuit, mais il joue aussi. Et je m'entraînais avec les mecs. Et je te dis, j'ai jamais été exclu là-bas, ou plutôt, j'ai été même plutôt été vraiment bien avec nous, quoi. On te prend avec nous quand tu viens chez nous, il n'y a pas de souci. Et tu vois, moi, les mecs, ils m'invitaient chez leurs parents faire des barbecues, quoi, des salons. Tu vois, j'étais vraiment dans les familles et tout. Et ce que ça m'a vraiment inculqué, ce truc-là, de la répétition, de la gamme, de... Tu sais, moi, quand je te dis que j'aimais Stéphane Edberg quand j'étais gamin, j'étais un peu fainéant. Ça me saoulait de rester au fond du court et de limailler. Je faisais service volé. Je voulais venir enfiler le plus vite possible. Jusqu'au jour où j'ai pris ce plaisir-là à frapper fort. Après, j'avais mon physique qui jouait en cette faveur-là aussi. C'était plutôt costaud et tout. Mais frapper fort, être solide, montrer que tu vas pas rater, aller plus dans le sport de combat que dans le sport d'artiste, tu vois. Et Ouais. d'aller et ça j'ai pris du plaisir à ça, alors que bah, quand t'es pas bon sur ta ligne de fond de cours avec tes gamins et que tu joues des adultes tu vois qui ça fera plus fort que toi, que t'es pas solide et qu'au bout de trois revers au-dessus de l'épaule tu boises, ben voilà, je gagnais des matchs parce que j'avais du talent quand j'étais gamin et que le mec qui me faisait ça, je lui faisais la petite monta contre-temps, le petit truc, le machin, et j'étais plus fort tennistiquement que les autres. Mais il y a un moment où ça marche plus parce que la petite amortie, le mec qui s'entraîne en face, tu vois, quand tu arrives à un certain niveau, ben, il court, il glisse et il te fourre. Donc, il y a un moment où soit tu veux passer un cap et tu le fais, mais surtout, moi, j'y ai pris du plaisir à ça, à devenir solide, à frapper fort. Et finalement, les gens qui me connaissent que depuis que je suis adulte, entre guillemets, ne peuvent pas imaginer que j'ai pu jouer en faisant service volé, retour volé quand j'étais gamin. Et ils se disent, ce gamin-là, ce mec-là, qu'est-ce qu'il est? Il frappe fort du fond, il est solide dans sa diago. Il est, tu vois, c'est plutôt cette image-là que je laisse au milieu du tennis, plutôt qu'un mec qui joue comme Laudra ou comme Mahout, quoi. Voilà. Moi, je jouais comme Mahout. J'étais comme lui. Là, voilà. Donc, et c'est vraiment, je pense, sur cette période-là, en tout cas, sur ces 9 semaines-là que j'ai passées là-bas. Et un petit peu aussi avant, ça avait déjà commencé, je te disais, avec Gustavo Giussiani, quand il venait s'entraîner dans mon club à Nice, où ben, il m'imposait 10 minutes croisées, 10 minutes croisées, 10 minutes longue ligne, 10 minutes longue ligne, 5 minutes de court croisé, 5 minutes de court croisé, hop, 10 minutes de volée, 5 minutes de smash, 10 minutes de service, hop, on fera 2 sets cet après-midi. C'était aussi simple que ça. Par contre, comme ça, mais c'était au chrono. T'imagines bien que moi, à 15 ans, branlos comme j'étais, le chrono. Tu vois, comme ça me saoulait la gamme. Mais là, comme c'était lui, et tu vois, ce mec-là qui était plus fort que moi, que je respectais, je fermais ma gueule et je me bagarrais et je me dis, putain, mais ça me fait vachement progresser, ça.